c'est-à-dire de reconnaître que nous ne savons pas tout ce qui se passe dans cette immense création qu'est l'être humain. Nous ne savons pas tout. Nous n'en mesurons pas toutes les dimensions. C'est une évidence. Et pourtant, nous connaissons les conditions qui permettent son fonctionnement. Quelque part, nous n'allons pas travailler à l'intérieur directement. Nous n'avons pas la prétention d'aller modifier quelque chose que nous ne comprenons pas. Imaginez, est-ce que vous iriez intervenir, vous avez un ordinateur qui ne fonctionne pas, vous ouvrez le capot, vous vous retrouvez face à une kyrielle de petits composants dont vous ne comprenez rien, et là vous allez vous amuser à tirer tel composant, tirer tel composant, tirer tel composant, modifier celui-là, augmenter telle connexion ou supprimer telle connexion parce que vous croyez comprendre telle zone localisée de votre ordinateur. Absolument pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez votre ordinateur et vous lui donnez les bonnes conditions pour fonctionner. Déjà, vous le branchez à une prise électrique, c'est-à-dire que vous lui donnez le courant qui lui convient. Ensuite, eh bien, vous lui apportez un brassage d'air de manière à ce qu'il soit refroidi. Vous le mettez dans une pièce qui soit ni trop chaude, ni trop froide. Vous ne le faites pas surtravailler. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Sauf que nous avons une science qui nous a persuadés qu'elle était capable de nous expliquer tous les microprocesseurs qu'il y a dans cet ordinateur. Or, c'est faux. C'est faux. Personne ne connaît la totalité des microprocesseurs qu'il y a dans l'ordinateur humain, si ce n'est le créateur. Donc, aucune science ne l'appréhende, et je pense qu'aucune science ne l'appréhendera jamais. Parce qu'il faut quand même revenir à notre place. Je sais bien que le mental humain a une arrogance gigantesque, mais il est temps aussi, quand on se tape la tête contre les murs à répétition, de reconnaître notre limitation. Et reconnaître notre limitation, ben, c'est juste de l'humilité pour moi. Notre limitation, c'est de dire, ok, moi, tout ce que je peux connaître, c'est les conditions propices à la germination de cette graine. Et c'est déjà fabuleux. Et ces conditions, vous les connaissez. Des fruits, des légumes, des jus. Travailler à diminuer l'acidose, utiliser les plantes médicinales, le sommeil, le repos, l'exposition au soleil, la relation avec les autres, l'exercice physique adapté, la respiration, et cultiver, cultiver, cultiver sans cesse, et chaque jour, eh bien, enrichir son terrain, enrichir ce terrain pour que cela se fasse. Cela se fasse, mais ce n'est pas de notre ressort. Cela se fait parce que nous arrêtons de l'entraver, parce que nous sortons de cette incrédulité. Notre incrédulité limite vraiment tout. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, une fois de plus, aura ajouté une couche à votre détermination, à votre engagement. Votre engagement finalement à aller au-delà du voile, à aller au-delà du voile de l'interprétation, au-delà du voile de la peur, au-delà du voile de la peur de la carence, au-delà du voile de l'apparence extérieure, au-delà du voile de l'appréciation sociale des autres, au-delà du voile du fait de plaire aux autres. Parce que, effectivement, peut-être qu'il y aura des moments où l'on ne plaira pas aux autres. Peut-être qu'il y aura des moments où nos choix ne recevront pas l'assentiment de notre entourage. Peut-être qu'il y aura des moments où nous ne manifesterons pas encore la germination complète. Mais peu importe. Peu importe parce que nous avons une compréhension qui est venue en nous. Nous avons une certitude qui est venue en nous. Alors ensuite, bien sûr, sur les moyens à mettre en œuvre, chacun choisit son rythme. Il n'est pas